De finaliser de nouveau fenêtre de cette église qui s'appelle de Notre-Dame de Lourdes. J'ai fait de nouveau fenêtre en cet espace avec les thématiques du mystère du Saint-Rosaire. Nous avons ici la possibilité de visualiser les passages de Pentecôte avec Marie et des apôtres, l'Ascension du Seigneur ici, des anges et des apôtres aussi représentés, la résurrection du Christ avec les Madeleines. Et j'ai fait aussi le travail dans l'intérieur de cet espace, la peinture de l'image de Marie comme le Théotokos, une parole d'origine grecque qui a représenté la Mère de Dieu. Nous avons la présence de Marie et de l'enfant Jésus. Là-bas, nous avons la présence des anges. Cette inspiration vient de l'œuvre de Saint-Denis l'Areopagite, un grand saint de la patristique grecque. Nous avons ici la possibilité de visualiser le travail dans la fenêtre et la dimension de cet espace. Nous avons la possibilité de faire une promenade ici, dans des autres fenêtres que j'ai à réaliser em cette église. Tout avec la inspiration du mystère du Saint-Rosaire. Ici, une autre image que j'aime. Une autre image. E sim, nós avons la possibilité de visualizar la image de la peinture de l'intérieur de cette église. La image de Théotokos avec des anges, la fenêtre e la dimension de cet espace. La présence d'enfant Jésus dans le centre de la composition. J'ai fait une recherche dans la forme de l'art byzantin parce que j'aime l'art byzantin. Je crois que l'art de Byzance est la possibilité, une inspiration pour la rénovation de la sacrée de notre église. Et je crois aussi que l'art est une forme poétique de penser de nouvelles formes de notre vie et de une forme de penser la possibilité de vivre en notre monde. La rénovation de l'art sacré n'est pas une simple rénovation pour la rénovation ou un goût du nouveau pour le nouveau. Ici, la recherche du mystère pascal de Christ avec nous.
Et penser les mystères du Christ Pascal avec nous et nous fait une proposition de penser la présence du mystère de l'origine de l'Église en notre monde. Et cette recherche de l'origine de l'Église en notre monde a pensé à faire une invitation pour visualiser les formes de l'art sacré du passé, de l'histoire avec cette histoire de l'Église en notre monde. L'art byzantin, l'art paléochrétien, ils sont des possibilités de penser et de repenser en notre monde, des possibilités pour une rénovation pour notre foi et notre pain aujourd'hui. Par certains motifs, je suis très heureux de réaliser l'art sacré en notre pays, en notre monde, et pour penser la possibilité de l'humanité avec la sensibilité des formes et des couleurs avec nous. Je vous remercie pour votre attention, au revoir et merci beaucoup.